on n'a plus la faire passer. Et du coup, le bloc d'alu, c'est une cartouche qui est juste dessous. Ok. Donc là, il va falloir tout démonter pour y accéder. Ah, pas simple, hein. Ouais, pas simple. Accessible. Donc là il va y avoir un peu de gasoil qui va tomber, c'est normal. Hop. Donc après il reste les vis de 13, il y en a une là et une de l'autre côté. Donc avec les deux durites qui ont été débranchées, là les vis qu'on enlève pour enlever la partie aluminium. Alors là on a des choses qui vont commencer à pouvoir sortir. Voilà. D'accord, donc là toute la partie autre. C'est même pas sûr qu'on puisse le sortir comme ça. Ça passe. Hop. C'est après il y a la sonde dessous qu'il faut réussir à faire passer. Ça là. Hop. Hop. Et maintenant on l'a enlevé. Voilà. Alors c'était lesquelles les sondes qui t'embêtaient là? Celle-là au-dessus, qui est fixée comme ça. D'accord. Il faut d'abord décrocher la sonde de la pâte, et après la débrancher. Et c'est pareil pour celle-là, plus il y a un clip, ça le con. D'accord. Donc c'est bien galère.